Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. C'est un privilège pour nous, la communauté de foi en Christ, d'être ensemble ce soir à travers la technologie en cette période de confinement pour prier et louer Dieu. Tout d'abord, nous allons prendre un chant pour louer le Seigneur. Nous prenons le chant numéro 51. Le chant numéro 51. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde. Ta présence me remplit, ton esprit là, je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis embâté dans ton courant. Je viens vers toi. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour. Tes bras d'amour. À la page 47, que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille même la nuit. Mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Psaume 16, versets 7 à 8. Chers frères et sœurs en Christ, tournez la page 48 de votre livret. Page 48. Confessons nos péchés ensemble. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et par acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons ces péchés. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page, continuons à la page 49. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Page 50. Nous disons ensemble l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans l'histoire, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons prendre le chant numéro 183. 183. Mon seul l'abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renfort. Je m'appuie sur toi. Nous allons dire ensemble le psaume 3, mais nous allons le faire en alternance. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès du Père. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas une myriade de peuple qui m'assiège de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton cœur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Gardons un moment de silence. Nous passons à la lecture de la liturgie. La première lecture qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains
et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ici se termine la lecture. Nous prenons le refrain. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. Maintenant, nous allons faire la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Ici se termine la lecture. Demeurez en moi, dit le Seigneur Jésus, et je demeurerai en vous, à ses disciples. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans une période très difficile. Une période où nous sommes en confinement. Pour nous tous, c'est vraiment pénible. Mais ce matin, mais ce soir, la parole de Dieu nous exhorte, la parole de Dieu nous encourage à demeurer en le Seigneur Jésus. L'exhortation « demeurer en moi », c'est de puiser la force, l'énergie en Jésus-Christ. Et à portée de fruits. Car sans Jésus, on ne peut rien faire. Dans le verset 7, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de limite tant qu'on remplit la condition de demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus. Rester attaché à Jésus. Alors, il nous faut rester attaché à Jésus, lui qui est le cep, et nous qui sommes les sarments. Car en ce temps difficile, il n'y a pas d'autre secours
que notre Seigneur Jésus. C'est lui qui peut nous aider, qui peut nous délivrer de ce moment. Alors, frères et sœurs en Christ, demeurons en Jésus. Restons attachés à lui de tout notre cœur. Laissons cette parole parler à notre cœur. Gardons un moment de silence. Rappelons-nous cette phrase. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Que ma parole demeure en vous. Nous passons à la page 51. Nous allons dire ensemble le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres à la page 53. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Page 54. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Disons ensemble cette prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Nous passons à la page 55, les invocations. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible, et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur.
que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion des saints, nous confions les uns les autres au Christ et lui offrons toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous passons à la page 56 pour Nicolette. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prions pour la protection divine et pour la présence du Christ. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Amen. Prions. Père éternel, daigne déverser ton regard favorable sur nous, tes enfants, en ce temps de confinement. Donne-nous ta sagesse d'obéir et de mettre en pratique tout ce que l'autorité nous demande, Seigneur mon Dieu. Nous élevons vers toi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui travaillent en ce moment avec amour et compassion, dévouement, Seigneur, dans les services essentiels, au bien-être de tous ceux qui ont besoin de l'aide. Seigneur, fortifie-les et protège-les dans leur travail. Seigneur, nous t'en supplions, Papa, aide-nous à sortir du piège de l'ennemi. Amen. À la page 58. Prière d'action de grâce, ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde,
pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome, page 59. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine fois. Have your own way, Lord. Have your own way. You are the Potter. I am the clay. Mold me and make after your will, while I